Maman est le plus beau rôle de la vie de Laura Smet. Comédienne dans la série Surface aux côtés de Tomer Sisley, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a partagé un cliché émouvant de son fils Léo, l'amour de sa vie. Maman depuis presque 4 ans d'un petit garçon prénommé Léo, Laura Smet a dévoilé une nouvelle photographie de son bout de chou dans une story Instagram publiée le 29 août 2024. Sur un cliché en noir et blanc, on découvre la main de la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye tenir celle de son bambin avec beaucoup d'amour. L'amour de ma vie, peut-on lire en rouge, voir le diaporama. Une image qui montre tout l'amour inconditionnel que ressent la femme de Raphaël Lancret-Javal pour son fils né en octobre 2020. En couple depuis 2013 avec l'homme d'affaires, elle l'a épousé en 2018 avant de devenir maman de leur premier enfant. Le petit garçon a changé la vie de sa maman qui avait accordé une interview aux journalistes du Parisien dimanche à propos de la maternité. L'actrice, qui a tourné cet été aux côtés de Tomer Sisley dans la série Surface en Occitanie, a confié comment le fait de devenir mère avait complètement bouleversé son existence. Incarnant Noémie dans la série, une flic ayant une énorme balafre sur le visage, elle expliquait « Je n'aurais peut-être pas pu incarner Noémie avant. Devenir maman m'a apporté de la confiance en moi. L'amour inconditionnel de Laura Smet pour Léo, je suis beaucoup plus calme. J'ai un petit être 10 fois plus important que le reste, à qui j'ai envie de donner le meilleur. Depuis 10 ans, j'ai vécu des trucs un peu durs et jouer ce personnage est une manière d'exorciser, comme une cicatrice qu'on soigne sur un plateau. Noémie peut éclater de rire ou pleurer, ses émotions me parlent, elles résonnent en moi. Elle cherche sa lumière. Si est-il une femme forte, un phénix. Sa façon d'aborder les difficultés de la vie, sa résilience m'ont touchée, avait-elle également révélé. En effet, la petite sœur de David Hallyday a surmonté de nombreuses épreuves depuis quelques années, dont la mort de son bien-aimé papa mort le 5 décembre 2017 ainsi que les soucis au niveau de l'héritage. Depuis tout ce qui s'est passé, on forme un clan très soudé, comme une meute de loups. Si est-il une force formidable, avait expliqué la fille de Johnny Hallyday au magazine Elle. Pour rappel, Léo était le second prénom de son père.